Coucou, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais faire un ragoût de pommes de terre avec le poulet. Donc, je vais vous montrer comment je vais les préparer. Là, j'ai 2 kilos de pommes de terre. Là, j'ai mis une boîte de tomates et 4 fruits de tomates fraîches. Là, c'est l'oignon. Là, ça a écrasé, oignon. Gingembre et ail, le sel, la sauce soya et de l'huile. Là, nous avons le cumin. Là, nous avons persil, ciboulette, poivre blanc. Et voilà notre poulet que j'ai bien lavé, assaisonné déjà avec du sel et du poivre. Là, je vais mettre un peu de légumes. J'ai mis les carottes et le haricot vert, coco plat, donc les haricots verts qui sont gros. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre ragoût. Donc voilà, ça, je vais écraser les condiments. Et maintenant, je vais passer les pommes et le poulet un peu dans l'huile. Donc, on va commencer. On va mettre un peu d'huile. Voilà les pommes de terre que je suis en train de frire. Je les frie d'abord pour qu'elles restent bien fermes. Je mets le poulet. Là, je tourne. Ça a saisonné avant avec le sel et le poivre blanc. Voilà. On va enlever notre poulet pour mettre à côté. Voilà. Maintenant, dans la marmite, on va mettre l'oignon. Et on va mettre la tomate pour la laisser cuire d'abord tout seul. Et là, j'ai mis les légumes. Je vous dis, ça, ce sont les haricots verts, coco, pâtes avec les carottes. Je mets à bouillir un peu. Et la tomate, elle est en train de cuire toute seule. Maintenant, je vais ajouter ceci. C'est l'oignon écrasé avec gingembre et ail. Et je mets là. Je laisse encore un peu cuire. Voilà. Maintenant, on va mettre nos pommes de terre. On va mettre ce soya. Fais attention toujours avec le sel. On va mettre le cumin. Du poivre blanc. Et après, je mets le poulet. Je vais mettre l'eau maintenant pour laisser bien cuire parce que là c'est pas cuit, c'est pré-cuit. Donc on va mettre de l'eau pour que tout l'ensemble cuise bien. Pas beaucoup d'eau. Donc je vais mettre un verre. Je vais mettre donc un verre demi. Comme ça. On va laisser cuire. Voilà. Voilà notre ragoût. On va mettre un peu de poireau là. Désolé pour la fumée qui monte. Là, on va ajouter nos légumes. Une ciboulette. Et le persil. Si vous avez le frais, vous mettez.
On va laisser encore cuire. On a au moins 3 minutes. Voilà, notre ragoût déjà bien prêt, bien cuit. Vous voyez, les pommes sont bien fermées, pas écrasées, bien bien. Le poulet bien cuit. Voilà, notre ragoût. Et voilà notre plat de ragoût. Partagez, aimez, laissez les messages. Essayez dans vos cuisines. Faites avec vos légumes, votre viande. Restons bénis, restons protégés par le Tout-Puissant. Laissons et que l'amour soit toujours dans nos cœurs, afin que nous soyons toujours ensemble. Que le Seigneur nous garde tous et nous protège. Merci pour tous ceux qui vont regarder. Que le Seigneur nous met vraiment l'amour dans le cœur. Bisous, bisous et à la prochaine.